Yes, j'espère que tu vas bien. Tu vois, là, je sors juste du café et je suis vraiment content parce que en ce moment, je suis en train d'étudier un sujet. Ça faisait longtemps que je voulais l'étudier, ça faisait longtemps que j'avais des intuitions dessus. Je suis en train d'étudier en fait le lien entre la performance, la créativité et la science en fait. Tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment convaincu que pour avoir des bonnes idées, que ce soit pour ce que tu veux. Tu vois, si tu veux créer des contenus ou si tu veux créer des bonnes offres ou si tu veux trouver un nouvel angle de positionnement ou tu vois, avoir des idées, c'est pas forcément professionnel, c'est aussi avoir des déclics sur toi, sur ta vie, genre de manière spirituellement, ce que tu veux faire, tu vois, pourquoi est-ce que t'es venu sur cette planète ou quoi. Enfin, je veux dire, la réflexion en général, le fait d'avoir des déclics sur soi, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai été convaincu que ça venait en partie, enfin que ça venait pas en tout cas en se posant et en brainstormant des idées face à une feuille blanche, tu vois. Que ça venait en grande partie par bah, la détente, dans des moments où tu te reposes. Enfin, je vais pas te faire un dessin, c'était sans doute déjà arrivé, mais tu avais un problème ultra complexe, et puis un matin tu te lèves, tu es sous la douche, et là boum, Eureka, tu vois. La solution ou une solution à laquelle tu n'avais jamais pensé avant, te tombe sur la gueule. Et je suis vraiment content parce que je suis en train d'étudier un bouquin là qui s'appelle The Breakout Principle. C'est vraiment, vraiment un bouquin que je te conseille. Et en fait, c'est, si je devais te le résumer en une phrase, c'est la science des déclics, tu vois. C'est qu'en fait, les déclics, quand tu es un créateur comme moi, si tu es un créateur comme moi, tu veux apprendre à déclencher des déclics sur commande, tu vois. Et ce qui est magique, c'est que d'un point de vue purement biologique, les déclics, c'est ni plus ni moins que l'assemblage d'un cocktail de molécules dans ton cerveau, tu vois. Un certain mix de molécules dans ton cerveau, bah là, tu vois, je suis en train d'étudier le truc. Tu as notamment la dopamine, tu as notamment le NO, c'est l'oxyde d'azote, je crois, qui est un facilitateur pour neurotransmetteurs. Et il y en a un troisième, c'est dopamine, endorphine. Quand tu as un cocktail comme ça qui se crée en fait dans ton cerveau, c'est là que tu as des grands déclics, tu vois. Et en fait, la meilleure manière pour déclencher ça, c'est que tu as un process en quatre phases pour déclencher des déclics. La première phase, c'est qu'il faut que tu aies une période de galère intense. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu as un problème dans ta vie et tu fais un grand effort analytique pour résoudre ce problème, tu vois. Donc tu penses, tu réfléchis, je sais pas, moi, si tu veux créer une offre, tu te creuses le cerveau, tu te grattes la tête, genre quelle angle tu pourrais aborder, quelle histoire tu pourrais raconter. Je sais pas, moi, si tu prépares un concours ou un projet ou quoi, bah tu révises, tu vois, tu fais tes notes et tout. Donc vraiment, tu te mets dans une période de stress mental, en fait. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que tu atteins le moment où le stress n'est plus positif, mais tu commences à arriver sur la pente descendante du stress. T'as une loi qui s'appelle la loi de Yerkes-Dodson qui montre en fait qui illustre en tout cas la temporalité du stress et en fonction du montant de stress que tu te mets, il est dans un premier temps positif parce que tu as besoin, si tu veux performer, tu as besoin d'une source de stress, tu vois. C'est pour ça que par exemple, quand tu es freelance, bosser pour un client te fera faire ton meilleur travail. Tu bosses, j'ai l'impression que tu bosses trois fois mieux, en tout cas moi c'est mon cas, je bosse trois fois mieux pour mon client que pour moi-même. C'est un petit peu débile à dire, mais tu sais, on bosse toujours mieux quand il s'agit des autres. Mais si tu te mets à l'inverse, donc un stress initial, un petit stress est toujours positif sur la créativité, sur la performance. Mais dans un deuxième temps, si tu commences à te mettre un stress énorme, au-delà de ta capacité adaptative, bah tu risques de péter un câble, tu vois. Si par exemple demain mon client arrive et me dit je veux que tu me sortes un programme de coaching avec 35 heures de contenu et tu as 24 heures pour le faire, bah là ça va, au lieu de me motiver, au lieu de me rendre plus performant, ça va me rendre anxieux et risque de me dégrader, tu vois. Donc ça c'est la deuxième phase. Enfin, c'est la première phase, donc l'exposition au stress. La deuxième phase, c'est la phase où tu dois tout lâcher en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce spot où le stress initial commence à devenir négatif, il faut que tu lâches tout.
En gros, c'est vraiment cette idée de bah, tu veux avoir des activités dans ta journée où tu arrêtes de penser en fait. Et moi, c'est ce que j'appelle les activités de kiff en partie. Et c'est des activités qui vont varier vraiment en fonction de chaque individu. Tu vois, moi par exemple, j'aime faire du yoga, j'aime me balader dans la ville, tu vois, juste marcher. J'aime courir, j'aime faire du sport. Là, je vais me mettre à la danse récemment, enfin, dans le mois qui arrive, je t'en reparlerai, tu vois, mais pour me lancer un petit challenge. Donc voilà, tu veux avoir une activité qui te détend le fion en fait, pour arrêter de penser justement, pour sortir de cette zone et casser les patterns mentaux que tu avais dans ces périodes de stress. Et à ce moment-là, on arrive à la troisième phase, qui n'est pas forcément obligatoire, qui n'arrive pas tout le temps, mais c'est le moment, ce qu'ils appellent la peak experience. Donc c'est le moment où tu as les hormones, du coup les molécules d'endorphine, oxyde d'azote et l'autre qui commence à être relâché, qui crée un cocktail comment dire, de molécules dans ton corps qui font que bah, tu te détends, tu vois, le battement de ton cœur se ralentit, tes vaisseaux sanguins se dilatent, tu respires plus calmement, et c'est là que tu as cette fameuse peak experience où tu as des déclics en fait, tu as ce qui s'appelle des breakthroughs ou des breakouts. Et c'est ça que tu veux déclencher. Ensuite, c'est suivi par la quatrième phase qui s'appelle la nouvelle normalité. C'est-à-dire qu'après que tu as eu ton déclic ou ton breakout, la performance, en tout cas ton niveau de performance ou tes idées, ou alors bah, tu as eu un déclic qui va te propulser dans une nouvelle normalité. Tu as trouvé une solution à ton problème et tu auras d'autres problèmes qui auront besoin de trouver de nouvelles solutions, mais tu es propulsé dans cette nouvelle normalité. Et moi, bref, enfin, tout ça pour te raconter, si tu es toujours là, franchement, chapeau, tu vois. Mais ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a vraiment une science derrière ça. Il y a vraiment une science derrière le fait d'avoir des déclics. Et moi, je trouve ça juste ouf en termes pro comme en termes perso. Parce qu'en termes pro, enfin, voilà, si tu es créateur, tu gagnes ta vie avec tes idées et tu gagnes ta vie avec tes créations, tu vois. Moi, dans mon cas, je gagne ma vie en rédigeant des mails pour mon client, mais aussi en créant des offres. Et il faut que ces offres soient efficaces, tu vois. Toi, dans ton cas, je sais pas, si tu es freelance et que je sais pas, moi, tu codes, bah, tu gagnes ta vie avec le code, tu vois. Tu gagnes ta vie je sais pas, à vendre des formations ou ce que tu veux. Ton gagne-pain est lié à ta capacité à être performant, à être créatif, tu vois. Donc ça, c'est le côté pro, mais aussi dans le côté perso, ce qui est génial, c'est que, tu vois, avoir des déclics, ça peut aussi te servir pour... Bah, apprendre à mieux te connaître finalement, tu vois. Genre, bien sûr, le pro c'est important, mais avoir des déclics sur soi c'est aussi hyper important. Mieux savoir, mieux comprendre, tu vois, comprendre quels sont les drivers centraux de ta vie. Genre, c'est quoi qui t'anime vraiment? C'est quoi la convergence de tous tes centres d'intérêt? Tu vois, et quand tu as des déclics comme ça et que tu comprends mieux vraiment ce qui toi t'anime au fond, tu peux mieux orienter ta vie et tes activités en fonction de ça. Donc, bref, tout ça pour dire, je pourrais te parler des heures de ce sujet parce que ça me passionne, tu vois. Là, je vais rentrer, je viens juste d'arriver devant ma porte, je vais sortir mes clés gentiment. On va continuer la journée, mais je continuerai à t'en parler parce que ce sujet-là, je trouve qu'il est juste passionnant et il peut être tellement, tellement bénéfique, je veux dire, à un niveau pro comme perso, que c'est juste un truc de taré, quoi, tu vois. Ah ben, la porte est ouverte. Hop, allez, je te laisse, je continue ma journée, on se retrouve plus tard. J'adore les ascenseurs à l'ancienne comme ça. Et voilà, bienvenue à la maison. On va ouvrir un peu et on va se mettre au boulot. Ah, juste avant de se mettre au boulot, je vais peut-être te raconter ça. Il y a quelques jours, là, j'ai appelé mon meilleur pote avec qui j'étais au lycée. Et ce pote-là, c'est mon meilleur pote avec qui j'ai fait les 400 coups, tu vois. Mais c'est avec lui que je suis un peu sorti à 15-16 ans. C'est grâce à lui que je suis sorti de la sphère hard rock, hard metal. Moi, j'ai été éduqué à ça, tu vois. J'ai été éduqué à Metallica, Pantera, Genesis, Cradle of Filth. Enfin, tu connaîtras sans doute pas, mais c'est un groupe américain de hard metal ou black metal. Les mecs, ils se maquillent en vampires et ils font des shows où ils simulent de sucer le sang de gens en plein milieu d'un solo. Enfin, c'est du délire, tu vois. Et du coup, je suis arrivé comme ça au lycée. Et bon, bah, c'est pas que c'est le... C'est pas le, c'est le
C'est pas que c'est pas glamour, à la limite on s'en fout, mais tu vois, j'avais besoin d'une personne pour un peu élargir mes horizons, et c'est lui qui m'a fait découvrir le rap, tu vois. Donc grâce à lui, je me suis mis à écouter du rap. Je dis grâce à lui parce que je pense que dans tous les cas, c'est important, c'est d'avoir de la diversité. Et bref, et en gros, c'est un peu mon référent en rap. Et il y a quelques jours, je l'ai appelé et je dis, écoute, Hugues, en l'occurrence, t'aurais pas des albums à me recommander? Parce que je t'avoue que ces derniers temps, bah, moi, quand je bosse, tu vois, maintenant, en tant qu'entrepreneur, enfin, tu vois, dans mon quotidien, j'écoute plutôt genre de la house ou des musiques pour focus. Tu peux pas vraiment travailler sur du rap ou du booba ou du charisse, tu vois. Mais j'aimerais bien avoir. Enfin, est-ce que tu as un truc à me recommander? Il m'a recommandé un bouquin qui s'appelle Trinity de Laylo, qui est sorti en 2020. Il m'a dit, écoute-le, franchement, c'est une tuerie mondiale, tu vois. Et du coup, je l'ai écouté et je lui ai demandé juste, mais pourquoi il est si excellent et tout. Et il me dit, tu verras, en fait, c'est un de ces albums où toutes les chansons sont liées et où, en fait, bah, le rappeur raconte une histoire au fur et à mesure des morceaux. Tu vois, je crois que tu as 22 morceaux. Et je l'ai écouté d'une traite et c'est vraiment un album de dingue. Je te recommande vivement de l'écouter. Tu feras bien le parallèle avec Matrix, Trinity, tout le côté digital. Mais au-delà de ça, genre, là, je viens d'avoir l'idée à l'instant. Ça pourrait être une idée de format, tu vois, ce côté où pourquoi est-ce que finalement, tu vois, il existe les vlogs où tu documentes en vidéo ton quotidien. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas documenter en audio notre quotidien? Et l'audio, c'est tellement plus immersif parce que du coup, t'as pas l'image pour t'empêcher, entre guillemets, de. T'as pas l'image et du coup, tu peux t'imaginer, tu peux être à côté de la personne, tu peux l'écouter en mode podcast aussi, en mangeant. Bref, c'est vraiment une idée de format, je te conseille. Écoute l'album, tu verras, tu comprendras tout de suite de quoi je parle. Et c'est pour te donner une idée aussi de. Bah, tu vois, j'étudiais le breakout là ce matin. Et je sais pas si il m'est arrivé ce genre de déclic là à l'instant même, mais voilà, c'est une idée que j'avais jamais eu avant. Et parce que j'ai écouté cet album il y a quelques jours, je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc à faire avec ce truc là. Les rappeurs qui racontent des histoires tout au long de leur album, est-ce que nous on pourrait pas s'en inspirer et finalement créer un format comme ça, tu vois? Yes, cette fois je te laisse, je retourne au boulot. Yes, je viens de finir ma journée de travail là et je fais juste ma review. Et au moment de ma review, je tombe sur une idée que j'avais capturée il y a quelques jours que bah, tu dois voir à l'écran en ce moment. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une idée que j'avais captée il y a quelques jours. Je l'ai enregistrée, je l'avais complètement oubliée. Et en fait, là, bah, je me rends compte que c'est exactement la même chose que je t'ai expliqué juste avant avec le format de contenu. L'idée principale, c'était vraiment que, enfin, ce que je voulais faire. Au moment où j'ai capturé cette idée, c'était ce qui me frustrait en fait, et ce qui, tu dois sans doute le connaître en tant que créateur de contenu. Ce qui est chiant, c'est quand la création est séparée de la vie. Souvent, en fait, la création, c'est le moment où tu as envie de créer un contenu, une vidéo, je sais pas, une photo, n'importe quoi, n'importe quel format. C'est toujours en fait la dernière étape d'une insight, d'un changement ou d'une situation qui s'est passée. Souvent on crée quand on a appris quelque chose, souvent on crée quand on a vécu quelque chose, souvent on crée quand on a une discussion. Donc la création, c'est la dernière partie du wagon en fait, tu vois. C'est vraiment la dernière partie du wagon qui conclut la boucle ou le cycle d'une expérience que tu as vécue. Et ce qui est extrêmement frustrant pour nous les créateurs, c'est que tu l'as sans doute remarqué, mais souvent, plus t'attends, plus il y a de temps entre le moment où tu vis le truc, où tu apprends le truc, où tu as eu la discussion, et le moment où tu crées, bah, plus ton idée se dessèche en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vécu le truc, où tu as la grande idée qui t'est venue, ton envie et ta motivation pour créer le machin arrête pas de descendre. Donc il faut créer le plus vite possible en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que en fait, dans notre quotidien de créateur, c'est. Il n'y a personne qui parle finalement de. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit plus deux étapes, création ou alors apprentissage et création, mais plus qu'une étape? Et là, enfin, tu dois le voir sur la photo, mais je l'avais vraiment marqué comme ça parce que ça me parlait tellement. C'est arrêter de séparer la création de la vie, en fait. C'est-à-dire vraiment créer au moment où tu vis le truc. Comment est-ce qu'on fait pour. Parce que tu sais, quand tu vis un truc et qu'ensuite tu dois le réexpliquer,
Bah, tu prends tout de suite un ton aussi un petit peu plus pédagogue, même si tu essayes de, même si tu essayes de paraître naturel ou quoi. Moi, je me considère comme quelqu'un de d'assez naturel face caméra avec le temps, mais tu as toujours un ton qui est différent quand tu réexpliques le truc ou quand tu as lu un truc et que tu essayes de le réexpliquer. Tu vois, moi, le premier, j'ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos où je réexpliquais quelque chose que j'avais lu ou je racontais une discussion que j'avais eue. Et c'est toujours différent en fait. Mais si tu crées au moment où tu as l'idée, au moment où tu vis le machin, bah tu casses ce filtre. Donc c'est juste une idée que je voulais te partager parce que pour moi là, fin, cette idée de format, bah, le format que tu es en train d'écouter en ce moment, tu vois, c'est typiquement un format qui résout ce problème parce que je vis ma journée et j'enregistre au fur et à mesure des éléments de manière organique au moment où il se passe, tu vois. Et j'en fais une sorte d'histoire en fait de ma journée. Comme ça, tu m'écoutes. Tu fais un truc en même temps, tu vois. Moi, j'aime bien consommer ces formats aussi comme ça. Il y a Jean Rivière notamment dans la thématique du marketing, enfin, qui avant parlait de marketing, qui maintenant s'est complètement repositionné, qui crée des contenus hyper longs comme ça, de 50 minutes. Et moi, je te dis, quand je me prépare à bouffer ou quoi, j'adore écouter ces contenus-là. Donc ouais, c'est juste une idée que je te balance comme ça, à réfléchir, à brainstormer peut-être dans ton cas, si toi aujourd'hui tu cherches des idées de format ou des manières de mieux kiffer la création de contenu. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis sur ma petite terrasse là, je vais te prendre une petite photo comme ça, tu verras, ou alors te montrer à la limite, je pourrais peut-être intégrer une petite vidéo. Attends, c'est vraiment vachement joli la vue qu'il y a depuis mon balcon. Je sais pas si tu entends le bruit des voitures. Ouais, on est vraiment bien ici. Je te laisse, je termine ma journée, je vais bouffer et je te retrouve juste après. Yes, j'espère que tu vas bien. Et il est 23h09, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je t'ai parlé. Je suis allé à la boxe comme tu l'as entendu, on s'est bien bien éclaté avec Noah, surtout que cette fois j'ai pu acheter un protège-dents, donc ça change vraiment la donne. C'est marrant d'ailleurs parce que je l'ai acheté à Decathlon et je sais pas si t'as déjà fait de la boxe ou quoi, mais en gros les machins tu dois les mouler à ta mâchoire, donc t'as tout un process. Tu le sors de la boîte, tu le mets dans l'eau bouillante pendant 30 secondes, ensuite tu le remets dans l'eau glacée pendant 3 secondes, ensuite tu le mâchouilles sous tous les, tout, tout, enfin, dans tous les sens, sous toutes les coutures pour qu'ils prennent la forme de tes dents. Et ensuite, tu le remets dans l'eau glaciale pour que la résine se solidifie. Donc, c'est vraiment marrant. C'est cool, on s'est bien défoulé. Et après ça, je suis rentré tout de suite. Et puis, je me suis pas pris la tête. Je me suis fait à manger. Et puis, là, j'ai regardé un film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un film. Mais là, j'avais vraiment envie de me détendre. Et quand je veux me détendre, je regarde souvent des vieux films. J'essaie d'éviter au maximum. Enfin, c'est pas une règle, tu vois. J'évite pas au maximum les films récents, mais les vieux films sont souvent excellents parce que, bah, à l'époque, sortir un film, ça coûtait cher, et du coup, j'imagine que les gens au box-office ou en tout cas les mecs qui étaient dans les studios et qui étaient à la tête de la sortie des films, ils choisissaient vraiment les meilleurs réalisateurs, tu vois. Donc c'était du Patty Jevski, c'était quel autre réalisateur il y a? Patty Jevski. Enfin, des grands comme ça, tu vois, du Hitchcock. J'adore regarder ces films-là parce que c'est vraiment, vraiment un autre style. Et bah là, en l'occurrence, j'ai regardé un film qui s'appelait Marty. C'est l'histoire d'un boucher italien qui a 34 ans et qui est toujours pas marié à l'époque à New York City. Et tout le monde le fait chier parce que être marié à 34 ans, c'est juste intolérable à cette époque-là, tu vois, ne pas être marié en tout cas. Donc ouais, c'est vraiment des excellents films, autant visuellement que narrativement. Tout fonctionne ensemble en fait. Tout est vraiment structuré et organisé pour délivrer un seul et unique message. Et c'est vraiment un plaisir de regarder ces films-là. Donc vraiment, je te conseille, si tu veux te changer un petit peu les idées des films actuels qui sont... Bah, il y en a des bons, tu vois, mais la plupart du temps, tu tombes quand même sur de la grosse, grosse poubelle, tu vois. Regarde des vieux films. Des vieux films style des années 30, des années 40, Marty, Paper Moon, Chinatown, It's a Wonderful Life, des films comme ça, c'est vraiment des pépites quoi. Chaque fois que tu ressors d'un visionnage, tu retiens soit une leçon, soit tu es émerveillé parce que l'histoire est excellente. Donc
Yes, bref, je te laisse. Il est 23h09 déjà, donc tu vois que je divague un peu. Mais c'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci d'avoir écouté cette audio story de A à Z. Si tu veux, si tu es intéressé par tout ce qui est. Enfin, tu vois, moi, mon gros délire, c'est d'aider les créateurs à lier la performance et le kiff. Et c'est exactement pour ça que tu vois qu'en ce moment, je teste beaucoup de formats différents. C'est parce que tout simplement, je cherche des nouvelles manières de mieux kiffer mon travail en fait, tu vois. Donc autant avec mon client, quand je fais de la rédaction de mail, de la recherche marché, de la création d'offres, je crée des process pour optimiser ça et faire en sorte que ce soit le plus fun possible, tu vois. Et je pense que, enfin, j'y suis arrivé, c'est-à-dire que je kiffe vraiment les journées, même si c'est pas 100% idéal. Mais tu vois, l'idée c'est vraiment ça, c'est que, enfin, je pense que il y a cette espèce de gros paradoxe dans la vie des créateurs qui est que bah, la raison pour laquelle on se met à faire ce job-là, c'est pour être libre, pour faire ce qu'on aime. Et souvent, on se retrouve submergé par bah, les tâches finalement. Et on se retrouve obsédé par le boulot et on se retrouve stressé. Et on oublie complètement de mettre du kiff là-dedans. Moi, ma mission, c'est vraiment ça, tu vois. C'est d'aider les créateurs à lier la performance et le kiff, à être plus performants via le kiff et à kiffer plus en étant plus performants, tu vois. J'appelle ça la kifformance ou la kifficacité. Et si ça t'intéresse, je vais sortir très prochainement pas mal de contenu sur bah, justement comment est-ce que tu peux créer du contenu d'une manière qui toi te fait kiffer et sortir des modèles dont tout le monde te parle ou que les formateurs te vendent dans les formations un petit peu préconçues mais qui sont pas à ta taille, tu vois, qui te vont pas comme un gant. Ça, que ce soit la création d'offres, la recherche marché, l'organisation des journées, comment est-ce que tu fais pour kiffer tes journées? Si tout ça t'intéresse, si tu veux être tenu au courant bah, de toutes les infos et tout recevoir quand je sortirai tout ça, tu as un lien dans la description, tu peux t'inscrire. Tu vas arriver sur une page, tu entres juste ton mail et comme ça tu seras tenu au courant, tu feras partie de ma liste de contacts perso et tu seras sûr de rien manquer. Et puis, deuxième petite chose, si tu veux être plus proche de moi au quotidien, il y a un groupe Telegram où je publie plus fréquemment des petites idées de manière vraiment ouais, spontanée, à l'inspi. Tu vois, aujourd'hui, je parlais du livre que je suis en train de lire, de Breakout Principle, pour apprendre à générer des déclics sur soi, pour régler des problèmes pro et perso dans la vie. C'est génial quand il s'agit de créer des grandes idées, mais aussi arriver avec des solutions créatives dans des problèmes business ou quoi. Si ça t'intéresse, mes petites insights comme ça, tu as le groupe Telegram, l'entre des créateurs. Je te le mets aussi dans la description. Tu peux cliquer et le rejoindre. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une excellente nuit du coup, moi à l'époque où je te dis ça, et puis je te retrouve très rapidement pour une nouvelle audio story. Ciao ciao!